On est à l'aéroport, il est 4h30, on est trop fatigué, on a pris un Uber. Il est 7h30, on s'est grave bien débrouillé. Là on est à la gare pour prendre un train jusqu'à Vicklin Station. Trop bien, notre avion il est arrivé 30 minutes en avance, du coup on est grave en avance. Il est 9h, on vient de déposer nos valises à l'hôtel, du coup c'est trop bien, on est plus du tout embarrassé par nos valises. Là on va aller se prendre un petit déj parce qu'on a vraiment trop faim. Et il me semble après, genre vers 10h, 10h30, on va à Buckingham Palace pour voir après la marche de la garde royale. Mais regardez comme c'est trop joli les petites rues. C'est trop beau. Donc là on est à Sainsbury's et on est en train de regarder les aliments et dont le fromage. Et regardez, genre il y a des dupes du ficello. Et regardez, il y a des petits sandwichs comme ça, c'est trop bizarre. Non mais par contre je rêve ou quoi? Du Nesquik à la fraise, genre chocolat fraise, et là, banane. Par contre banane ça doit être vraiment très très bon. Nous sommes à côté de la cathédrale Westminster. Trop mignon. Mais mec, ça te pute, frère. Mais t'approches pas, mon gars. Tu sais que ça, là, ça te saute dessus. Ils sont apprivoisés, Djibril. Petit tour chez Starbucks. Regardez les petits gâteaux, c'est grave différent le Starbucks ici. J'ai pris ça, c'est un petit brownie double chocolat Oreo, trop bon. Comme boisson, j'ai pris la boisson de Saint-Valentin, elle est toute rose, elle est trop jolie, regardez. Je l'ai pris en venti, c'est le Hot Chocolate Berry. Du coup, là on vient de sortir du Starbucks et on va direction Camden, on prend le bus. En fait on voulait prendre le bus parce que c'est un bus avec un deuxième étage. Et du coup ça va nous permettre en fait de faire un petit tour de la ville en bus. Plein de nourritures différentes et là du coup on cherche Cheese Wheel, un petit food court qui vend des pâtes à la meule et j'ai trop envie de goûter. On avait hésité justement entre steak chips et Cheese Wheel, c'est ça steak chips. Donc c'est du bœuf avec des frites. Regardez, ça a l'air trop bon, du coup c'est mes pâtes à la meule, j'ai payé ça 7 pounds. Oh,
notre petit hôtel. Il est très bien, oui, il est très propre et tout, mais bon, c'est très très petit. Mais franchement, c'est cool, ça fait l'affaire. Et puis vu qu'on reste pas très longtemps et qu'on souhaite pas forcément rester souvent à l'hôtel, bon, on s'en fiche un peu. Mais en tout cas, le quartier, il est très mignon. Du coup, là, il est 21h03, on est arrivé à l'hôtel vers 19h. Et je vous avoue qu'on était totalement claqués, du coup, on s'est reposé et tout. Et là, on va du coup à Sainsbury's pour prendre des petits trucs à manger. Et vu qu'on est claqués, on va sûrement manger à l'hôtel. Oh, ça a l'air trop bon ça! Coconut, lait de coco. Oh, ça doit être super bon ça! Ça, c'est trop bon l'aloe vera. C'est super drôle ça, regardez, c'est des yaourts. Genre ça en forme de framboise, c'est un yaourt. Mais bon, ça en fait, je vous ai pas trop fait de récap, mais au final, c'était pas très très bon. En fait, ça a goût de ficello, mais un peu genre bas de gamme. Ah, mais ça, c'est bizarre, fromage pizza, vous avez vu? Par contre, ça, je vous avoue que j'ai vraiment envie de goûter. Donc, vous savez quoi, je vais en prendre un. Ici, il y a plein de gelées. Je vous avoue, j'ai très envie de goûter une gelée, donc je crois que je vais en prendre une. Il y en a plein de goûts. Je prends celle-ci. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me.